Tamalouche Popola, Tamalouche Popola, Tamalouche Popola, mais qui me soigne, mais qui me... Mon idée, c'est que la santé, c'est l'état naturel. C'est chaque fois que j'ai un conflit, alors ici dedans, un conflit par exemple entre psychique et mental, que ça va se traduire dans le corps. Si j'ai un conflit, quel que soit le conflit que j'ai en moi, je vais créer, puisque je suis un être de biochimie également, puisque mes 100 trillions de cellules ont une vie indépendante, mais... coordonnées, ça va se traduire par un dysfonctionnement. Je peux être aussi en conflit avec ce qu'il y a tout autour. Le conflit, c'est la source de la mauvaise santé, aussi bien de la planète, de l'autre que de moi-même, puisque nous formons un tout. L'observation montre que plus je suis en harmonie avec la vie, et plus je me sens bien. Chaque fois que je me sens mal, que ce soit les maladies, les contrariétés, enfin tout ce que vous pouvez imaginer de mal-être, il n'y a pas d'autre raison, il faut simplement la chercher pour la trouver. C'est parce que je ne suis pas dans le sens du fil de la vie et justement je ne suis pas là au service de la vie, mais que j'ai une activité qui est contraire au sens de la vie à ce moment-là. De ce point de vue... c'est une parenthèse, mais je ne suis pas avec l'idée des mauvaises énergies. Je n'y crois pas du tout, mais on peut l'habiller comme ça si on veut, mais c'est pas mon habillage. Je pense qu'il y a une énergie vitale et que c'est l'état naturel, c'est la vie. C'est un état naturel. Et que en revanche, je peux faciliter la circulation de cette vie où je peux lui rendre la vie difficile et compliquée. Il n'y a rien à combattre, c'est simplement essayer d'atténuer ce qui est contraire à la vie pour favoriser, faciliter simplement la circulation de la vie et des flux, puisque je ne suis que relation. Mais qui me soigne, mais qui me ment, combien ça coûte et combien tu prends, hey, Tamalouche et Popola. Ces relations qui ne sont pas justes, sont la cause de dysfonctionnement de notre système social, bien évidemment, mais tout simplement de mon propre corps. Ce qu'on appelle les maladies, ce qu'un autre auteur appelle les crises de santé, parce que c'est plus juste, puisque l'état normal, c'est la santé, et j'ai une crise de santé, c'est tout simplement... la conséquence d'un dysfonctionnement, c'est-à-dire une relation qui n'est pas juste à un moment donné. Alors les cas typiques, c'est les asthmes, les arthrites, les rhumatismes, les eczémas, les migraines. Tout ça, c'est pas obligatoire, hein. C'est pas une fatalité, hein. Ça peut être une maladie. Ah, c'est tout à fait réel, oui. La plupart des maladies, et même, j'ai envie de dire, sont psychosomatiques, c'est-à-dire qu'elles ont, elles ont pour origine, non pas le psychique, mais plutôt ici, le conflit entre éventuellement le psychique et le mental. Et je somatise, mais la somatisation, elle est parfaitement réelle. Je veux dire, une maladie psychosomatique est une maladie, on est bien d'accord. La guérison, simplement, c'est savoir si je traite le symptôme ou si je traite la cause de la maladie. Je peux traiter le symptôme, mais j'ai pas résolu la question. Parce qu'en traitant, surtout avec de la chimie extérieure, je vais pas pouvoir délivrer le remède juste au bon endroit et dans la bonne quantité, comme peut le faire mon propre corps qui est entraîné avec son système immunitaire, endocrinien et cardiovasculaire à apporter ce qu'il faut, là où il le faut, au moment où il le faut. Voilà, donc en fait, la guérison ne vient que de laisser faire la nature ou simplement pour laisser faire la nature, de débarrasser le conflit qui m'encombre
de manière à ce que la nature reprenne ses droits en moi. Et elle va, de toute façon, ce n'est pas le médicament qui guérit, ce n'est pas le médecin, hein. C'est moi. Et peut-être qu'effectivement, le médecin, de par le rôle qu'il joue, de par la confiance qu'il m'inspire, peut m'aider à retrouver ma capacité d'auto-guérison. Mais la guérison, c'est toujours une auto-guérison. Comment fonctionnent les sentiments ? C'est simplement, j'ai une attente, et si cette attente, elle est comblée, magnifique, je suis joyeux. Si cette attente n'est pas comblée, je suis déçu, je souffre, je déprime. Mais c'est important que je sache que c'est ici. C'est moi qui construis. Et je construis à partir de ça. Ça m'a louché popola.